Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien pour ce week-end. Alors, pour cette nouvelle revue Transformers, nous allons retourner dans le vif du sujet puisque nous allons reprendre donc dans la continuité de la gamme Titans Return. Donc, à savoir pour aujourd'hui, donc le Transformers Titan Return Sky Shadow et son Titan Master Omnimus. Voilà, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu qui va vous en dire un petit peu plus sur ce petit père et surtout s'il en vaut le coup. Donc voilà, quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Sinon, à la prochaine. Bisous, à plus les amis. Voilà. Comme vous le disait mon mini-moi, aujourd'hui je vais vous parler donc d'un Transformers issu de la vague 4, voilà, que j'ai reçu il y a quelques jours avec d'autres de ses comparses, donc que je vous présenterai dans les semaines à venir. Voilà, donc j'ai reçu pour mon plus grand plaisir et grâce à mon ami Alexandre, donc qui m'a informé de sa disponibilité sur le site Capotoy. Donc j'ai eu voilà la grande joie, du moins, de recevoir mon Sky Shadow. Donc voici tout de suite le packaging. Alors, je vais faire une petite mise au point et on va remonter un petit peu la camée rouge parce que bon, c'est du leader class, donc le packaging est assez imposant. Donc voilà un petit peu hein, le packaging qui correspond au traditionnel packaging Generations, Titans Return, Combiner Wars et autres. Donc voilà, maintenant il y a ce code qui nous permet de les identifier, excusez-moi, assez facilement au premier coup d'œil. Donc voilà, on retrouve notre petit artwork qui reprend donc le visage de notre ami, voilà, enfin de notre ami façon de parler puisque c'est un Decepticon, de notre ami Sky Shadow. Sur le côté, donc, nous avons voilà le symbole Decepticon. Sur l'autre tranche, nous en voyons un petit peu plus voilà, sur l'art de notre ami Sky Shadow. Et puis au dos de la boîte, donc, nous avons les différents modes. Alors, il est bien précisé que qu'il y a quatre modes alternatifs. Hein, donc, on n'en voit que trois sur la notice. Donc, à savoir en premier, donc, le mode bot. En second, le mode alternatif, donc avec un jet et un tank. Le troisième mode, donc qui est une combinaison des deux pour faire un mode base. Et puis le dernier mode, donc qui est une association en fait entre le mode jet et le mode tank. Voilà. Donc il n'est pas montré sur la photo, moi, je vous le ferai voir vite fait. Hein. C'est vraiment un mode anecdotique, donc je comprends aussi pourquoi il ne soit pas forcément mis en avant sur la photo. Et puis donc d'autres Transformers issus de la vague 4, donc à savoir le Sixshot dont j'ai eu l'occasion de vous parler la semaine dernière, non, il y a 15 jours, pardon, Broadside en Voyager, et puis en Deluxe l'excellent Top Spin. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du packaging. Concernant le contenu, bah, nous retrouvons toujours voilà la traditionnelle notice voilà que je n'utilise toujours pas. Voilà pour ce qui est de la notice. Nous avons également notre petite carte collector que voici, que voilà, avec, alors, petite mise au point s'il vous plaît, Mr. Focus. Voilà, avec cette fois-ci l'intégralité de notre ami Sky Shadow. Voilà. Un super Bart qui met bien, voilà, qui met bien en valeur le personnage. Et puis au dos de cette carte, donc nous avons les specs de ce dernier. Voilà, pas grand chose à dire, hein. Il est ce qu'il est normalement, bon, c'est pas. Je suis toujours un petit peu fâché avec les skills par rapport aux G1, mais bon, il faut que je me dise aussi que c'est pas les skills des G1, donc voilà, c'est différent, là, c'est du Titans Return, c'est juste un hommage, on va dire, 2.0 au G1. Voilà, donc concernant le contenu du packaging, et puis bien entendu, donc nous allons pouvoir tout de suite, sans plus attendre, passer à notre ami Sky Shadow. Alors je commence tout de suite par les modes alternatifs. Alors je refais une nouvelle mise au point, histoire qu'on voit bien les choses. Voilà, donc le Sky Shadow, donc qui n'est pas cette fois-ci un hommage au G1 comparé aux autres Transformers issus de cette gamme, puisque le tout premier Sky Shadow, si je dis pas de bêtises, donc est sorti dans la lignée Beast Wars en 98, hein, c'était un Predacon. Donc voilà, il fait pas du tout partie des G1. Alors pourquoi l'avoir fait entre guillemets en tant qu'hommage au G1, enfin en tant qu'hommage à Sky Shadow? Tout simplement parce que bah, pour ceux qui sont un petit peu au courant, ce moule va être utilisé donc pour le moule d'Overlord. Voilà.
donc qui sera bien plus cohérent par rapport au personnage. Néanmoins, on retrouve quand même les petites caractéristiques de Sky Shadow en termes de couleurs. Alors, je n'ai pas le Generation avec moi, mais pour faire un comparatif, malheureusement. Mais bon, on retrouve ces petits, voilà, les petits canons à l'avant, voilà, les couleurs noir, rouge et puis légèrement gold. Idem pour le tank. Alors bon, on est dans du leader. Alors les modes, le jet est un petit peu plus gros. Donc faut pas trop en tenir compte au personnage en lui-même parce que bon, faut bien savoir que le robot lui est bien à l'échelle leader. Hein. Donc là le tank en lui-même est un petit peu plus petit, mais bon, il reste quand même sympatoche. Alors on a en plus une super finition. Je trouve que Hasbro vraiment améliore un petit peu la finition de ses produits. Donc là vraiment voilà, on retrouve les petits stickers comme j'aime bien, hein, qui me font moi penser au G1. Voilà, les deux logos Decepticon à l'avant. On retrouve donc notre canon à l'avant, alors qui est fixe, hein, puisque ce canon en fait est amovible. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc vous voyez le canon est amovible, hein, il peut servir pour le mode bot. Et puis pour d'autres modes, donc on ne peut pas bouger la tourelle ni le canon, hein, c'est fixe. Par contre, il y a trois petites chenilles au niveau de l'undercarriage, voilà, qui permettent de faire rouler ce dernier. Alors on peut voir un petit peu les détails. Donc par contre, on a toujours le truc moi qui me fâche un petit peu, c'est le plastique dans la masse, hein, même si c'est plus ou moins gris. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus foncé, moins voilà, cet aspect moins plastoc, moins jouet, quoi. Voilà, ça retire un petit peu de la noblesse, enfin de la prestance du jouet, je trouve. Alors juste à côté, on a un noir, un rouge par exemple, vous voyez, un noir rouge glossy, métallique. Voilà, donc on a ce contraste entre du très joli et puis bon, du moins beau. C'est dommage, j'aurais préféré quelque chose de plus sombre ou plus métallique. Mais sinon, vous voyez, bon, à l'avant, on a des petits détails quand même sympas, des petites grilles silver. Le canon aussi qui est tout silver, du rouge glossy façon métal. Également ici pour le hublot avec une petite mitraillette voilà sur le dessus du canon. Bon, dans l'ensemble quand même le mode tank est pas trop mal. Alors on a la possibilité comme tout véhicule de cette gamme donc d'ouvrir le cockpit du tank. Donc afin de positionner alors hop, notre ami Ominus. Que voici, que voilà. Alors, Monsieur Focus, s'il vous plaît. Ouh, je sens qu'il va être un petit peu traître sur le coup. Ah, voilà. Voilà. Voilà un petit peu notre personnage Ominus. Donc bon, alors les couleurs sont sympas, mais ça manque un petit peu de relief. Hein. J'aurais bien aimé avoir des petits détails pour bien démarquer le visage et puis la visière. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là, comparé au Takara, comme d'habitude. La finition des Titan Master n'est pas des plus jolies. Par contre, le visage là, lui, est sensationnel. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà un petit peu. Donc on a le petit Père Ominus, donc, qui peut se. Alors, on va refaire un focus sur le véhicule, parce que là, moi, je n'ai pas de mise au point automatique. Voilà, donc on peut mettre notre petit père Ominus dans le cockpit et voilà prêt à fighter de l'Autobot. Donc le petit gimmick que j'aime bien. Nous avons également donc on peut passer maintenant au mode jet hein, après avoir vu le mode tank. Donc le mode jet assez futuriste donc qui est super super badass, je le trouve juste formidable quoi, avec la vitre avant en plastique rouge translucide. Ah, c'est vraiment super joli. On retrouve des rouges un peu glossy métalliques, ah, des effets bronze dorure, enfin je sais pas trop, mais ça rend super bien. Ah, c'est plein de petits détails. Là, il y a une foultitude de détails vraiment, voilà, vraiment qui mettent vraiment en avant le jouet. On retrouve des stickers aussi ici sur les ailes, donc truc bien sympa. Ouais, c'est pas moi qui m'en plaindrais. Hein. Voilà, un jet vraiment d'aspect vraiment agressif quoi. Donc sur le dessus, ça rend vraiment pas mal du tout. Bon, au niveau de l'undercarriage, voilà, c'est comme pour le tank, hein, on devine tout de suite les éléments. On a la tête qui se localise par ici, on a le torse ici et les bras. Donc il n'y a pas grand suspense à ce niveau-là. Mais voilà,
les deux véhicules sont vraiment super super sympas. Alors on peut faire un petit comparatif d'échelle par rapport à voilà par rapport au tank. Donc on va le comparer au Deluxe Autobots Hardhead. Voilà. Donc on est sensiblement dans une échelle similaire, mais comme je vous disais, donc à la base les deux véhicules s'associant, donc on retrouve systématiquement notre échelle leader en mode bot. Alors vous verrez le mode bot est quand même assez massif. Donc voilà un petit peu ce que ça donne aux côtés d'Hardhead. Et puis il y a donc un autre comparatif avec Six Shot. Donc le leader Six Shot, le leader classique Six Shot dans son mode tank cybertronien. Alors forcément le robot, enfin le mode alternatif est plus imposant. Hein. C'est pas, il n'y a pas deux véhicules pour en former un, donc c'est tout de suite plus facile. Donc voilà un petit peu voilà notre tank Six Shot en comparaison avec Sky Shadow. Et puis petit comparatif aussi des modes jet. Alors on va mettre celui-ci ici avec par exemple voilà Trigger Happy. Là par contre la différence de taille est quand même plus significative hein, avec le jet. Donc voilà pour Trigger Happy. Et puis on peut le comparer aussi avec le Voyager Galvatron. Voilà. Donc vraiment vraiment très chouette. Hein. Moi je j'apprécie grandement. Donc on a également un petit accessoire ici qui est fourni en sus, voilà, enfin qui est fourni en plus dans la boîte. Donc que l'on peut greffer, vous voyez juste ici. Voilà, vous avez un petit ergot ici qui va venir se greffer juste là. Et donc voilà, on peut rajouter le nez ici. Pour le mode jet, voilà, pour lui donner un aspect plus futuriste encore et plus agressif. Et puis aussi on a la possibilité, pourquoi pas, de voilà de le positionner sur le toit du jet et puis donc d'y placer la figurine d'Omnimus, voilà, le petit père Ominus ou un autre Titan Master. Donc c'est pas mal du tout. Et puis je vous ai pas montré, donc tout comme pour le mode de tank, donc on a la possibilité d'ouvrir voilà le cockpit du mode jet afin d'y placer notre ami Ominus. Donc vraiment très chouette. Hein. C'est vraiment sympa. Moi j'apprécie le jouet. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour maintenant du premier mode alternatif. Je vais pas m'attarder plus dessus parce qu'il faut encore parler je vais vous parler maintenant du mode base. Alors on va passer tout de suite donc à la transformation en mode base. Hop, le temps de réajuster la caméra. Alors pour le mode jet, donc nous allons commencer par le petit tank. Donc nous retirons le canon de ce dernier. Ensuite, on vient alors écarter ces deux panneaux là. Hop, comme ceci. Et comme cela. Ensuite, vous allez faire une rotation, alors que je reste dans l'alignement, ce serait un peu dommage sinon. Voilà, vous obtenez donc quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà, ensuite vous le mettez de ce côté-ci, vous rentrez la tourelle à l'intérieur, vous laissez celle-ci sortie. Voilà, vous ouvrez ces parties-là et vous venez sortir les connecteurs.
Voilà, de façon à relier la base à d'autres bases Decepticon. Alors, je pense notamment au somptueux Triptychon annoncé là dans les mois à venir, dont le prix va être par contre à l'échelle du personnage. Malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu trop élevé pour moi, mais bon, on verra bien à ce moment-là. Donc voilà un petit peu donc pour cette partie-là. Ensuite, donc on va s'attaquer au mode jet. Alors pour le mode jet, nous allons déclipser les bras. Vous voyez, vous avez juste ici un ergo rectangulaire et un petit ergo rond, donc qui viennent se loger, voilà, dans les ergos femelles adaptés. Donc vous sortez les bras comme ceci. Hop, vous positionnez tout de suite les canons, voilà, aux extrémités, du moins, pardon. Ensuite, donc vous rabaissez les petits ailerons. Vous, voilà, soulevez ces pièces-là qui sont sur double charnière et vous les ramenez vers l'arrière, ce qui va vous former des mini plateformes. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous venez positionner les bras comme ça. Hop, vous prenez le cockpit, vous positionnez comme ceci. Vous ouvrez ce compartiment-là. Et voilà, vous faites fusionner l'ensemble. Et voilà un petit peu ce que donne notre ami. Hop. Notre ami Sky Shadow dans sa configuration base. Alors, j'ai oublié, voilà, vous rentrez également le petit aileron à l'arrière. On place le canon et puis donc on a quelques petits, voilà, quelques ports qui permettent de positionner des véhicules. Là on peut mettre notre Ominus à l'intérieur. On va essayer de remonter un petit peu tout ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors bon, le mode base, c'est pas... Les modes bases sont souvent basés dans la gamme Titans Return, hein. C'est pas... ce sont vraiment des modes anecdotiques, hein. Mais bon, ça a le mérite d'être là, donc pourquoi pas après tout, hein. Je trouve que ce sera plus concluant, sans doute, avec le somptueux Overlord, hein. Ça, voilà, ce sera à la fois plus joli et plus cohérent, oui, par rapport au personnage. Donc voilà un petit peu pour le mode base. Alors ensuite, donc pour le troisième mode, donc qui est le mode bot, voilà. Donc nous retirons notre petit Titan Master, le canon, ça, voilà. Ça, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Vous venez positionner ça dans cet axe. Vous soulevez à nouveau cette pièce-là de façon à rentrer les connecteurs. Voilà. Et c'est, vous les redressez vers le haut. Donc c'est, voilà, c'est ce qui va vous former également donc l'avant des pieds. Ensuite, les talons. Alors ensuite, vous pouvez légèrement reculer les ailes, vous positionnez le cockpit vers l'arrière, ça vous pouvez le rabaisser, vous tournez la tête, vous étirez les bras, vous sortez les mimines.
que la transformation est vraiment très simple. Il n'y a pas de, il n'y a pas de challenge réel à ce niveau-là. Ensuite, donc nous prenons notre ami Hominus. Ah, nous avons le mode tête. Nous venons soulever donc, le haut du casque, comme pour Six Shot. On vient glisser la tête à l'intérieur. On referme le tout. On peut loquer son petit bouclier sur le côté et son gun juste ici. Et voici Sky Shadow Henkel. Voilà. Donc belle gueule, belle stature, belle silhouette. À ce niveau-là, rien à dire. On n'a pas un trop gros backpack par rapport au, à l'avant d'avion. Ça reste, voilà, ça reste sympa. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas rentré ces parties-là à l'intérieur. Voilà. Donc vraiment, vraiment très sympathique. Alors malheureusement, la transformation fait que voilà le fait d'avoir deux véhicules qui viennent s'emboîter pour n'en former qu'un, ça joue forcément un petit peu au niveau de au niveau des articulations. Je trouve que pour un leader, bon, ça fait un petit peu rigide. Alors on va voir tout de suite en termes d'articulation. Donc nous avons la tête, voilà, avec une rotation à 360, ça, il n'y a pas de souci. Alors, pas d'inclinaison au bas, on peut le faire manuellement, mais voilà, la tête ne gardera pas la pose. Nous avons donc la pub d'oeuvre, voilà, au moins le minimum syndical, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Nous avons rotation à 360 des épaules. Nous avons également rotation complète des avant-bras. Donc jusque là, ce sont les articulations traditionnelles d'un Deluxe. Voilà, donc on a le coude qui peut se plier. On a la main de par sa transformation que l'on peut légèrement orienter vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Mais par contre, pas de rotation non plus. Donc la main, le point est fixe. Pas d'articulation au niveau des doigts. C'est un point fermé et moulé de la sorte. Donc le buste est fixe, voilà, donc forcément de par la transformation, donc on peut pas avoir on n'a pas d'articulation à ce niveau-là. Au niveau des jambes, donc on retrouve la pub d'Ove, donc ça il n'y a pas de souci, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Hop. Nous avons également une articulation au niveau du genou. Et puis donc nous avons les pieds qui peuvent légèrement s'incliner. Voilà, comme ceci. Donc bon, ça reste quand même acceptable. Je suis un peu méchant en disant que les articulations sont minables dessus. Mais bon, c'est vrai que pour un leader, on s'attend quand même à un peu plus de points d'articulation. Mais bon, comme je vous le disais, c'est un compromis pour avoir deux véhicules qui s'emboîtent et puis qui forment à la fois un robot, une base, deux véhicules. Donc voilà un petit peu. Voilà, donc ça reste néanmoins un bon TF à posséder. Oui, c'est pas non plus une obligation, sachant que avec l'arrivée d'Overlord, voilà, moi personnellement, bon, j'ai pris celui-ci parce que je suis fan d'Overlord, donc je voulais avoir un avant-goût tout de suite de ce qu'allait donner plus ou moins le petit père. Maintenant, je sais clairement qu'Overlord fera partie de mes prochains achats, ça c'est obligatoire. Donc voilà, donc c'est pas pour l'instant forcément un indispensable à posséder. Sky Shadow est quand même un personnage un peu plus anecdotique dans l'histoire des Transformers. C'est pas un personnage très récurrent, voilà, qu'on voit souvent non plus, qui est souvent représenté. Même s'il est sorti, je crois, dans la gamme Iron Factory il y a quelques mois en arrière. Mais voilà, donc le mode bot est quand même sympa. Alors on peut s'attarder aussi un petit peu sur le visage, parce que ça serait vraiment de pas lui rendre honneur. Le visage est vraiment somptueux. Regarde un petit peu l'expression. Cet air froid et glacial. Terriblement menaçant. Voilà, et puis on a quand même, il faut l'avouer, de jolis effets, de jolis détails,
Des petites touches de couleur hein, qui viennent vraiment embellir et égayer le personnage dans sa globalité. Donc vraiment, vraiment un chouette pépère. Moi j'en suis vraiment très très satisfait. Voilà, dernière petite chose aussi sur laquelle je voudrais revenir et voilà, qui est également entre guillemets le quatrième mode de transformation. Voilà, que j'aurais dû vous en parler dès le début, et puis je me suis rendu compte dans le déroulement de cette revue que ben, j'avais complètement zappé. Donc il est possible, toujours par rapport à ce, voilà, à ce clip juste ici, donc de faire fusionner les deux véhicules ensemble. Vous voyez, au niveau du tank, vous avez la fixation qui est juste ici. Voilà, vous faites fusionner les deux véhicules ensemble. Et voilà, nous avons un brut. Alors, Overlord, je peux comprendre parce que bon, c'était comme ça dans le dessin animé Transformers and Masters. Bon, Sky Shadow, voilà, je vois pas trop l'utilité, mais bon, vu que c'est le moule qui fait ça d'emblée, voilà, c'est comme ça, voilà, tout simplement. Donc, on a aussi ce quatrième mode hein, qui est, bah, comme je vous disais, anecdotique, et c'est sans doute pour ça qu'on ne le voit pas qu'on ne le voit pas au dos de la boîte. Alors, on peut aussi faire cette petite chose. Voilà. Je le préfère dans cette, à la rigueur, donc quand il est dans cette configuration, je le préfère comme ça. C'est qu'on peut, grâce au port 5 mm qui est juste au-dessus, on l'a placé le canon. Voilà, pour avoir un véhicule un peu plus agressif. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas non plus le plus terrible des modes. Hein. Avec le mode base, on aurait pu très bien s'en passer. Mais voilà, on peut le faire. Hein. Et pour conclure, donc petite photo de famille, voilà, entre diverses Decepticons de la lignée Titans Return. Alors je ne sais pas si à la caméra on s'en rend compte, hein, mais je précise quand même que Sky Shadow en mode bot. A une stature donc plus haute, un petit peu plus haute et un peu plus large que Sixshot, qui est déjà quand même assez conséquent à la base. Hein, donc vous voyez, autant en mode véhicule, voilà, le mode tank est un petit peu plus petit, mais en mode bot, voilà, c'est vraiment là que le terme leader prend toute son ampleur. Donc voilà, un petit peu, d'ailleurs on se rend compte qu'à côté de Galvatron, on a quand même, voilà, on a quand même une grosse différence de taille, et par rapport à Trigger Happy, un simple de luxe, là, là. Voilà, la différence est plus que notoire. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette dernière vous a donné un petit peu une idée un peu plus, voilà, un peu plus précise pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir ce personnage. Alors, en vaut-il la peine? Pour moi, oui, quand même, parce que voilà, je ne regrette pas mon achat. Mais est-ce que, voilà, est-ce que cet achat est indispensable? Clairement, si vous êtes fan d'Overlord, non, attendez un petit peu la sortie d'Overlord, qui, d'après ce que j'ai compris, en plus sera un peu plus, voilà, un peu mieux peaufiné. Ceci dit, voilà, on a quand même une ébauche de ce que peut donner Overlord, et je pense que là, voilà, on aura quelque chose de bien plus abouti. Bon, ceci dit, ce Sky Shadow est quand même très très bon. Hein. J'ai pas grand-chose à noter, si ce n'est voilà le nombre d'articulations qui sont quand même limitées pour un leader. Mais voilà, on a aussi en même temps la réponse à cette question. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour ma part bah, très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros câlins, plein de gros bisous et à très bientôt les amis, portez-vous bien, allez bye bye, tchuss. Alors, Papy Tef, comme ça, on me trouve juste bien, passable, c'est tout. J'ai pas dit passable non plus, mais bon, il faut avouer ce qui est. Toi, t'es juste une ébauche, à vrai dire. C'est pas toi qu'on attend, c'est Overlord. Alors bon, je serais toi, je ferais pas trop mon kéké, hein, parce que quand Overlord il va sortir, bah tout le monde t'aura oublié. Alors pépette mon coco, allez, rentre chez toi. Allez, tchuss, moi je joue pas avec des biloutes. Attends.
Quel trop de balle, ce mec. Remarque, il a pas tort non plus. Ah, parce que toi aussi, tu vas t'y mettre, le grand barbu. Non, mais laisse tomber. Ouais, ça vaut mieux.